Je m'appelle le docteur Obon Pelagie, je suis gynécologue ici au centre de santé de Glace. Donc l'endométriose, c'est une maladie qui attaque surtout les femmes en âge de procréer. En fait, on dit l'endomètre, c'est la muqueuse utérine, c'est-à-dire le milieu de l'utérus. Cette muqueuse utérine reste dans l'utérus. Mais maintenant, dû aux contractions utérines pendant les règles, le sang va fuir par les trompes et se retrouver dans la cavité abdominale. Donc quand le sang se retrouve dans la cavité abdominale avec les cellules endométriales, donc ces cellules vont se poser au niveau des organes pelviens, comme la vessie, les ovaires, et cela crée un processus, une inflammation au niveau du bas-ventre. C'est ce qui donne ces différentes douleurs. On la découvrir par l'échographie, c'est-à-dire d'abord c'est une jeune fille qui se plaint de règles douloureuses. Elle viendra consulter pour les règles douloureuses. À travers l'échographie, le médecin peut faire le diagnostic. Mais le diagnostic le plus certain, c'est surtout chirurgical quand on fait l'examen qu'on appelle la célioscopie. On a le traitement médical et le traitement chirurgical. Le traitement médical, c'est d'abord les médicaments qui calment la douleur. En dehors des médicaments qui calment la douleur, on donne aussi les médicaments qu'on appelle les hormonothérapies. Hormonothérapie, c'est-à-dire on donne de la progestérone pour mettre l'endomètre au repos. Parce que c'est quand l'endomètre travaille beaucoup, les cellules vont se déposer dans la cavité, ça crée l'inflammation, c'est ce qui donne les douleurs. Et en dehors de ça, il y a le traitement chirurgical. Le traitement chirurgical, ça permet de détruire tous les petits dépôts des cellules endométriales dans la cavité abdominale, au niveau des ovaires, parce qu'on peut avoir un kyste de l'ovaire lié à l'endométriose. Donc le traitement chirurgical va permettre d'enlever tout ça et de nettoyer. Que les jeunes filles, au cours des règles douloureuses, consultent pour savoir si elles ont l'endométriose pour qu'elles soient prises en charge.